L'évasion de Camus, de Daniel Pennac. La bécane héroïque. Chapitre 1er. Pas question que je monte là-dessus, déclara Camus. Il tenait la bicyclette à distance, du bout des doigts, avec une moue de dégoût, comme si elle eût été enduite de confiture. Ah non, et pourquoi? Camus me jeta un bref coup d'œil, hésita une seconde et répondit. Parce que. Tu ne sais pas monter à bicyclette? Là, il eut son sourire méprisant. Il y a des tas de choses que je ne sais pas faire. Je ne connaissais pas un mot d'anglais l'année dernière, tu te rappelles? J'ai appris en 3 mois. Alors le vélo? Eh ben justement, tu vas apprendre en 2 heures. Non, je n'apprendrai pas. Pourquoi? Ça me regarde. Patience. Je connaissais mon camo. Ce n'était pas le moment de m'énerver. Camo, Pop a réparé cette bécane spécialement pour toi. Il fronça les sourcils. Je suis désolé. Une bécane historique, Camo. Elle a fait la résistance. Elle a même échappé à une embuscade des Allemands. Tiens, regarde. Un genou à terre, je lui montrais les 2 impacts de balles. L'une avait perforé le cadran. Juste entre le mollet et la cuisse de grand-père, qui n'avait jamais pédalé aussi vite de sa vie. L'autre avait troué le garde-boue arrière. Grand-père était passé. Pop, mon père, n'avait pas voulu réparer les dégâts. Il pensait que ses traces, héroïques, plairaient à Camus. Je suis désolé pour ton père, vraiment, mais je ne monterai pas sur cette bicyclette. Tu préfères la mienne? Oui, c'était peut-être plus facile pour un débutant, la mienne. Toute neuve, légère comme une gazelle. 36 000 braquets. Tu préfères la mienne, c'est ça? Ni la tienne, ni aucune autre. Je ne monterai jamais sur un vélo. C'est tout. Tu as fait un vœu ou quoi? Il y a plus d'un milliard de Chinois qui font du vélo. Alors pourquoi pas toi? Tu veux te distinguer une fois de plus? Et voilà, je commençais à m'énerver. Pop, mon père, avait passé des heures à remettre à neuf la bicyclette en question. Spécialement pour Camus. Une splendide machine. Tchécoslovaque d'avant-guerre. Avec des freins à tige et des garde-boue chromés comme des pare-chocs de Bouygues. Une vraie petite merveille. Le plus calmement possible, j'expliquais. Camo. Ici, dans le Vercors, au printemps, Pop, Moon et moi, notre seule distraction, ce sont les balades à vélo. Tu comprends? On passe des journées entières dehors. On pique-nique. C'est l'activité familiale, depuis que je suis tout petit. Et j'aime ça. Il devait tout de même y avoir de la colère dans ma voix, parce qu'il a lâché la bicyclette et s'est retourné vers moi. Doigt tendu. Écoute, je ne suis plus un gamin, et je ne suis pas en train de te faire un caprice. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais jamais de ma vie je monterai sur un vélo. C'est tout. Et je ne veux déranger personne. Allez vous balader comme d'habitude, tous les trois, je vous attendrai ici, et je vous ferai la bouffe pour le soir. Il eut tout de même un sourire. Ne t'inquiète pas, tu me connais, je ne m'ennuie jamais. C'est bien ainsi que les choses se passèrent. Du moins la première semaine. Pop, mon père, Moon, ma mère, et moi, le Moum. Eux sur leur tandem, moi sur ma bécane, on se faisait les monts, on se faisait les vallons, on se dénichait les petites sources moussues de nos vacances, et on rentrait le soir à la maison. Fourbu moulu, comme ceux de la ville, quand ils retrouvent la montagne. La maison sentait le gratin dauphinois. La maison sentait le potage à l'oseille, la maison sentait le poulet aux écrevisses. La maison sentait la cuisine de Camus. Ce gosse-là, c'est un vrai cordon bleu, disait Pop. Aucun mérite, répondait Camus. Mon père était cuistot dans sa jeunesse. Parfois, la maison sentait aussi le plâtre frais, ou la peinture. J'attaquais le grenier aujourd'hui, annonça Camus. Il partait par la toiture. Ton père était aussi dans le bâtiment, demandait Pop. Mon père savait tout faire. Son père était mort quelques années plus tôt. Mort à l'hôpital, après avoir lâché une dernière plaisanterie. « Même ça, il a su faire, » murmurait Camus. « Mourir. Il a su. » Petite belote après le dîner, ou Scrabble. Pop perdait beaucoup, et Moon gagnait souvent. Et nous nous retrouvions vraiment, Camus et moi, qu'une fois la maison devenue silencieuse, nuit bien tombée, dans notre chambre. Les polochons s'envolaient aussitôt. Camus avait le muscle pour lui, mais j'étais rapide. L'essentiel dans la bataille de polochons, c'est l'esquive. Attirer l'autre, comme si on était une proie facile.
esquivait et frappait en contre. La tête de Camo résonnait comme un tambour et vibrait comme un sac de punching ball. Il titubait sur des genoux devenus liquides. Mais au moment où Polochon brandit « Je m'apprêtais à l'achever », il se détendait comme un ressort. Son arme de plume me cueillait au menton et m'envoyait valdinguer à l'autre bout de la chambre. Nous assommer mutuellement, c'était notre façon de nous endormir. Nous parlions aussi. Il n'y a rien de mieux que de parler quand les lumières se sont éteintes. Un soir, un des tout premiers soirs de ses vacances, la voix de Camo s'éleva dans la nuit de la chambre. « Elle n'aurait pas dû me faire ça, » dit-il. « Qui ça, elle ? Et lui faire quoi ?» Comme s'il avait deviné mes questions, Camo précisa. « Ma mère, elle n'aurait pas dû y aller sans moi. »« Ah oui !» C'est pour cela qu'il passait ses vacances de Pâques avec nous. Sa mère avait entrepris un voyage immense. La Grèce d'abord, tous les Balkans et la Russie ensuite. À la recherche de ses ancêtres. Il faut que je retrouve mes sources. C'était ce qu'elle avait expliqué à son fils. Et elle avait confié qu'à moi, à mes parents, pour quelques mois. Ses sources, comme elle dit, ce sont aussi mes racines, non? Elle aurait pu m'emmener. La mère de Camo venait de partout. De Grèce par sa grand-mère, de Géorgie par son grand-père, d'Allemagne par son père. Un coiffeur juif qui avait épousé la fille du Géorgien et de la Grecque et qui, dans les années 40, avait dû fuir les persécutions du dingue à moustache camé, comme disait Camo. Issue de tant d'horizons, elle-même naturalisée française, la mère de Camo parlait quantité de langues, mais ne se sentait vraiment de nulle part. Ou plutôt, comme l'expliquait Camo, elle changeait de nationalité comme on change d'humeur, au moindre coup de vent et avec sincérité. Sans blague, elle s'endort française et elle se réveille russe. Résultat, lorsqu'elle se sentait un peu trop allemande, un peu trop juive, un peu trop grecque, la mère de Camo partait en quête de ses ancêtres, dans un de ses innombrables pays d'origine. Si le voyage était bref, et s'il coïncidait avec une période de vacances, elle emmenait Camo, sinon elle le laissait derrière elle. Furieux. Son grand-père russe, sa grand-mère grecque, après tout, ce sont mes arrière-grands-parents. Il y avait l'école, Camo, et elle est partie pour 3 mois. Aucune école, et les Balkans, et la Russie, c'est pas une belle école, ça? Bref, ainsi allaient les choses. Pop, Moon et moi sur nos machines à deux roues. Camo jouant les cuistots à la maison. Tout de même, cette histoire de bécane me tracassait. Aussi loin que je me souvenais. On se connaissait depuis la crèche, Camo et moi. Camo n'avait jamais eu peur de rien. Était-il possible qu'il eût la trouille de grimper sur une bicyclette? Ça s'appelle une phobie, m'expliqua Pop. Une phobie? Une phobie, une peur irraisonnée. Un type est capable de tout. Il peut entrer tout nu dans la cage au lion, grimper l'Everest sur les mains, discuter une nuit entière avec le fantôme de son percepteur. Mais tu lui montres une minuscule araignée, et il tombe dans les pommes. Voilà, c'est ça une phobie. Ton Camo a la phobie des vélos, c'est tout. Et toi, Pop, t'as des phobies? Jamais eu la moindre phobie. Moi, Super Pop. Super menteur, oui, intervint Moon en riant. Pop avait la phobie de Krasting, ton prof de français quand tu étais en 6e. Tu te souviens? Vers la fin de la première semaine, je fus réveillé en pleine nuit par un de ces coups de tonnerre qui font rentrer les chiens sous terre. Les volets clos de ma chambre se découpaient sur des lueurs de flash. La maison était au cœur d'un orage. À côté du mien, le lit de Camo était vide. J'ai d'abord pensé qu'il était allé boire un coup à la cuisine et je me suis endormi. Mais quand je me suis réveillé pour la seconde fois, Camo n'était pas revenu. Inquiétude, robe de chambre et char en tête. L'orage nous secouait toujours. En descendant l'escalier de bois, j'eus la sensation de pénétrer dans une grosse caisse, sur laquelle s'acharnait un dingue de la batterie. Pas de Camo à la cuisine, ni nulle part ailleurs dans la maison qui s'allumait et s'éteignait au rythme du batteur fou. Et j'ai ouvert la porte d'entrée, douché, trempé de la tête aux pieds en une seconde. « Camo, salaud !» J'ai foncé devant moi, aveuglé, poing tendu, persuadé qu'il m'avait fait le coup de l'embuscade au seau d'eau. Mais ce n'était pas Camo, c'était la pluie. Une pluie drue et glaciale, jetée en paquet contre la maison par un vent à défoncer les murs. J'étais donc là, braballant dans l'orage, dégoûtant comme une serpillière, quand je le vis. De l'autre côté de la cour, sous le hangar à bois, Camo était accroupi, semblable dans son immobilité à la vieille souche sur laquelle Pop fendait les bûches. Les éclairs le découpaient dans la nuit, et devant Camo, à chaque explosion de la lumière,
luisaient les garde-boues de la bicyclette tchécoslovaque. « Camo !» Il se retourna, son visage ruisselait. On aurait pu croire que c'était des larmes. « Viens, tu vas attraper la crève !» Il ne fit aucune difficulté à me suivre dans la salle de bain. Nous nous séchâmes avant de nous recoucher. Maintenant, nous nous taisions. Camo regardait le plafond de la chambre avec la même fixité que tout à l'heure la bicyclette. Je finis par murmurer. « Elle te flanque une sacrée peur, hein ?» Il ne répondit pas d'abord. Il laissa même passer un bon moment, puis il dit « Non ». L'orage s'était éloigné. Clair de lune. La maison s'illuminait en silence. « Non, elle me flanque une peur sacrée. Ce n'est pas pareil. » Nouveau silence, puis « Elle est triste, tu ne trouves pas ?»« Non, je ne trouvais pas. Je ne voyais pas comment une bicyclette pouvait être triste. » Camo dit encore. « Elle est triste comme un amour perdu. » Quand je me décidais enfin à lui demander ce qu'il voulait dire, il était trop tard. Camo s'était endormi. Et tous les orages du monde n'auraient pu le réveiller.